Bon, et combien de fois on t'a expliqué qu'on aime bien ta petite tête, d'accord? Et si tu te pointes sur le tournage, tu vas le regretter toute ta vie. Toute ta vie. Mais moi, une bif quand tu veux, j'adore ça. Toi, ça se voit que t'as jamais pris une bite sur la gueule, sinon tu dirais pas ça. T'as déjà pris une bite, toi, dans la gueule? Non, toi, t'as pas pris de... T'as pas eu de bif. Vous avez rien compris, les mecs. Hein. La pénétration, c'est fini. Le sexe tradit, le clito, tout ça, c'est dead. Mmh. Les zones érogènes ont bougé. Maintenant, ça se passe là, dans la nuque, dans les joues. Fini les mecs qui te font ça pendant des heures, là, n'importe comment. Une bifle de ticonque, c'est l'orgasme en un seul coup de bite, et ça, ça vous fait chier. Se faire bifler, c'est un vrai métier, ma petite. D'accord? Faut une hygiène d'enfer. D'enfer. Ticonque, c'est du lourd. En one shot, il va te déglinguer. Une seule... Il va te tordre le cou. Il va te déplacer le cerveau, il va t'arracher la tête. C'est un bifleur professionnel, façon guillotine chinoise. Ah, avec... Non. Il faut qu'elle comprenne. T'as fini? Super projection, super récompense. Non, mais de voir les gens rire au film, c'était juste dingue. J'ai eu même le plaisir de voir un plan du film applaudi pendant le film, ce qui est quand même un truc qui fait très très plaisir. C'était quel plan? La bifle finale du héros, qui est un peu le climax du film et du personnage. C'était très très agréable d'être récompensé par les applaudissements et les rires. Et ouais, c'est sûr qu'après deux ans de développement, un tournage chaud, une post-prod vive, c'est vraiment incroyable de voir des gens rire. Voilà. Cette bifle, c'est... J'ai pas du tout fait un film sur la bifle. J'ai fait un film sur un type qui doit régler ses comptes avec son adolescence. Et la bifle devient la façon dont il va régler ses comptes. C'est-à-dire par le combat, par un affrontement direct. Et donc la bifle devient art martial, la bifle devient coup spécial, la bifle devient geste noble et façon de tirer un trait sur tout ça, quoi. Mais elle a raison, Marcus, on n'est pas fait pour être ensemble. Je te parle pas de Sonia. Je te parle de ton totem, Francis. T'as plus le choix, maintenant. Je t'aime vraiment, cette fille. Si t'as pas envie qu'elle en prenne plein la nuque, il va falloir te réconcilier avec ta bite. Il va falloir lui montrer que t'as encore confiance en elle. Ah ouais, comment je suis censé faire ça? Tu vas affronter Ticong. Hein? Tu vas affronter Ticong. Tu vas lui foutre la misère. Je ne crois pas, non. Voilà, moi je voulais faire un film sur un type complexé qui s'est toujours pas débarrassé de ses vieux complexes de l'adolescence et qui va devoir retrouver confiance en lui et en sa bite accessoirement pour pouvoir conquérir la femme qu'il aime. C'est vraiment c'est un film sur la bêtise des hommes et à la fois sur la tendresse qu'il peut y avoir chez eux quand il s'agit de parler de leur pénis. Francis, dis-toi qu'elle l'aime ta bite. Mais c'est pas le problème. Si, c'est exactement le problème. Répète. Elle aime ma bite. Non, j'y crois pas, là. Elle aime ma bite. Voilà, elle a des photos partout de ta bite dans sa chambre. C'est impossible. Non, c'est l'imagination, fais un effort, d'accord? Ok, ouais. Tu rentres dans le hall, qu'est-ce que tu vois, à gauche ou à droite? Du papier peint. Qu'est-ce qu'il y a sur le papier peint? Ma bite. Il y a ta bite, parce qu'elle aime ta bite, d'accord? Elle va dans le salon, qu'est-ce qu'il y a dans le salon? Le canapé. Canapé, c'est quoi? C'est ma bite. C'est ta bite. Tous les après-midi, elle s'assoit sur ta bite. Elle s'assoit dessus. Voilà. Et puis même, ma bite, elle se repose parce qu'elle en a marre, quoi. Voilà, tu comprends le truc. Tu vas dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Frigo. Frigo. T'ouvres le frigo. Et en fait, le frigo, c'est ma bite. Ouais. Et elle ouvre ma bite pour se rafraîchir. Voilà, ça devient un poème, ça. Tu vois. Il y a une hypersexualisation dans les magazines, tout ça. Moi, j'en ai beaucoup souffert ado parce qu'effectivement, la vérité se mesure à quoi? Au nombre de coïts par nuit, à la durée d'un coït, à la taille d'une bite, alors que bon, on apprend vite ensuite que les meufs, elles en ont ras-le-bol de se faire pécho pendant des heures, que la grosse bite finalement ça règle pas du tout, et d'ailleurs qu'il y a des mecs qui en souffrent énormément, et surtout qu'effectivement, il y a un moment, le sexe c'est beaucoup plus simple, et c'est vrai que les idées, les magazines, la pression sociale, le groupe, et c'est clair que ça, il y a un truc douloureux. Mais moi je pense que ça s'inverse un petit peu, quand même. Peut-être un peu grâce à ton film. Si je peux y participer, mais merci quoi. Ah, je serais ravi qu'un adolescent mal dans sa peau voit le film et que ça l'aide un petit peu à calmer le jeu, à décontracter un petit peu le sujet, quoi. Attends, concentre-toi, garde ton énergie, puis tu vas en avoir besoin, ok? Les filles, vous avez peur? Oui, super, c'est ça, comme elle. Tout de suite, ouvre la bouche, collez-vous les seins. Voilà, magnifique, super. Taipang, viens, dépêche-toi. Gardez. Oui, plus. Non, pas moi, filme les filles. Là, Ticong sort sa queue et frappe le sol pour provoquer une secousse sexuelle. C'était quoi ce bruit-là? C'est rien, ils s'entraînent, c'est tout. Voilà, tu gardes la peur. Super, filme-les. Voilà, mais il faut que tu aies peur, toi. Voilà, monte. Toi, tu es morte, vas-y, va-t'en.
Ouais, tout à fait, parce que je pense que ça, c'est vraiment ma grammaire, c'est vraiment... Voilà, moi, je trouve ça beaucoup plus ludique et clairement, je me retrouve beaucoup plus dans cette grammaire cinématographique assez jubilatoire, assez généreuse, assez tranchée, voilà. Moi, j'aime le premier degré, j'aime les émotions simples, j'aime les personnages losers qui se relèvent héroïquement, voilà, j'aime la contre-plongée, j'aime les lumières tranchées, donc c'est sûr, voilà, moi, c'est toujours plus, je trouve ça beaucoup plus amusant de raconter des histoires comme ça et beaucoup plus pertinent, voilà. Pour la bif, oui, bah c'est clair et net qu'il y a Superbad, hein, qui est un peu le film phare de la nouvelle comédie américaine, produit par Judd Apatow, le film de Greg Mottola. Bon, ça, c'est clair qu'il y a, un phrasé, il y a une touch, il y a une façon de parler de l'adolescence et du sexe qui est juste très tendre et vraiment très drôle. Donc, clairement, il y a ça. Il y a aussi les films de Stephen Chow et toute la kung-fu comédie de Jackie Chan. Ça, c'est clair que c'est un truc qui m'a bercé aussi longtemps. Et après, bah, les influences sont assez nombreuses. Je sais que voilà, The Big Lebowski, c'est pour moi, c'est un summum du genre de comédie. Donc oui, voilà, ça, c'est des films qui m'ont clairement aidé, quoi. Mais je crois qu'hier, quand les gens ont applaudi le plan sur cette gifle avec la bite, je me suis dit, putain, là, ça y est, c'est fini, là. Ça y est, là, c'est réglé. Bon, j'avais quand même réglé les choses avant. Il y a un moment, j'ai quand même 30 ans. Tout va bien depuis, j'ai rencontré des filles qui ont regardé ma bite avec bienveillance, qui m'ont montré que tout allait bien. Donc heureusement, c'était réglé. Mais c'est vrai que oui, je suis très content. C'est plutôt une sorte de petite retrouvaille entre moi et l'adolescent lointain que j'ai pu être. Et je suis très content de pouvoir le regarder, de lui dire c'est bon, ça roule.